Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours d'une ardeur sans égale et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Je vous avoue, madame, je n'ai point le talent de dissimuler. Sur Don Juan, on avait envie de s'intéresser à cette figure un peu de la mort et de voir comment le clown de Jean-Lambert Wilde rencontrait cette figure mythique à la fois de la séduction mais aussi de quelqu'un qui est en train de vivre ses dernières heures. Et donc comment est-ce qu'on arrivait à associer au fond le côté clownesque et la tragédie de cette pièce-là? Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre. Puisqu'enfin, il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Alors ce décor que j'ai conçu avec Stéphane Blanquet met en valeur toutes les qualités artisanales qu'il y a dans notre région. Nous avons des plans de pendrillon qui sont faits en tapisserie d'Aubusson et ce merveilleux escalier que la fabrique des porcelaines de Limoges a conçu. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé. Tu nous attirerais quelques disgrâces d'en haut. Ce qui nous a attiré chez Don Juan, c'est que c'est un personnage qui est d'une complexité infinie, en fait. Parce que, évidemment, c'est un séducteur, mais en fait, il n'aime pas séduire. Une fois qu'il a séduit, il abandonne l'objet de sa séduction. Un clown blanc aime le vertige. Et il a un compte à régler avec la mort. Donc, il est capable d'en rire, mais aussi d'en pleurer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que ce même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Gadarej, le ciel.